toi aussi t'es un peu blasé par le foot, et peut-être même par les maillots par extension, d'une part je partage un peu ton avis, mais d'une autre, je te demande de rester jusqu'à la fin pour me partager ce que t'en penses, parce que j'ai longtemps pensé être le seul dans ce cas, mais avec le temps qui passe, et en particulier avec la fin de cet Euro 2024, j'ai l'impression qu'on est bien plus que ce que j'imaginais. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo discussion, et c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour ce genre d'événement, parce qu'il n'y a rien de plus sympa que de parler de maillots de foot et de collection avec d'autres passionnés sans aucune pression. Et on va aujourd'hui évoquer deux sujets, celui que je vous ai évoqué dans l'intro, qui viendra juste après, et donc le premier qui me permet de faire la transition sur la fameuse partie discussion, à savoir le prix ahurissant des patchs. Le prix ahurissant des patchs et des maillots en fait par extension, c'est vrai que c'est un peu la même chose, mais dans ce cas plus particulier, je voudrais évoquer un sujet qui nous est venu ce matin, parce que comme souvent j'ai appelé mon pote Idriss de la chaîne L'Amour du Maillot, de toute façon il est dédicacé dans toutes les vidéos, donc SO comme d'habitude, si vous kiffez les maillots de toute façon j'imagine que vous connaissez déjà sa chaîne, et donc on parlait un peu de la tournure que prenait le marché du maillot, et moi dans ma position, alors pour ceux qui ne le savent pas, je tiens au quotidien le site Foot Press, comme d'habitude le lien est en bio si les flocages et patchs officiels vous intéressent, projet que je développe depuis 4 ans maintenant si je me trompe pas, et on parlait un peu de tout et de rien, de la collection, de la cote délirante compris certains maillots avec les mois et les années qui passent, et bien souvent on parle aussi de ce que l'on reçoit au niveau DM, niveau sollicitation, etc. de la part de la communauté, et j'en suis venu à évoquer un cas qui me revient ponctuellement, à savoir des interrogations sur le prix des patchs qu'on peut retrouver sur Foot Press. Alors je parle dans mon cas, mais c'est valable dans toute la sphère du monde de la revente de ce genre de produits, et je vais pas parler particulièrement de ce que j'ai sous la main, à savoir ce patch là pour le Real l'année prochaine. C'est un patch qui pour le moment a une valeur standard, donc ça doit valoir entre allez, 5 et 10 euros en fonction d'où vous l'achetez, si vous l'achetez directement via le club ou chez un vendeur pour qui c'est la matière première. Je parle plutôt de choses plus exclusives. Typiquement, je viens de choper plein d'exemples. Je pourrais vous prendre l'exemple de ce patch là, un champion du PSG 2018, les petits merci qu'on aurait pu retrouver sur certains maillots du Final 8, la doublette de patch champion du monde 2018 qui va sur les maillots de la France, les patchs de l'Euro, mais c'est valable pour plein de références en fait. On pourrait aussi prendre en exemple les patchs de la Coupe du Monde 2022, et pour finir le clou du spectacle, les Coupes du Monde 2018. Et donc, la première des choses, et la plus importante en fait, ce dont je me rendais pas forcément compte juste avant la discussion, c'est qu'Idriss me disait, mais moi, je trouve que patcher un maillot avec des matériaux officiels, et quand les patchs sont devenus rares et introuvables, c'est clairement du luxe. C'est pas destiné au commun des mortels. Et en fait, moi dans mon esprit, c'est quelque chose que je voudrais pas comme un luxe. Comme je le répète depuis le début du projet, ce que je veux, c'est populariser la chose au maximum, et rendre les patchs les plus rares, les plus accessibles possibles. Sauf que forcément tu fais pas bouger le monde du foot en 4 ans, encore moins quand t'es tout seul dans ton coin, et donc ça prend son temps. Et donc cette idée là de luxe pour patcher un maillot, c'est vrai que ça fait totalement sens au final, parce que qui, à part un collectionneur ou un mec qui veut se faire un kiff une fois dans l'année, va prendre la peine de lâcher 20, 30, 50 euros dans un patch? Et ben personne. Et c'est bien pour ça que dorénavant je définirais ça comme un luxe, parce que ça n'a pas vocation à être utilisé par le commun des mortels, par le fan de foot lambda. Et donc ça va un peu dans la continuité de ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo avec le fait d'acheter un maillot en version player quand vous ne faites pas de sport ou quand vous êtes un supporter sans affect particulier pour le maillot, ça n'a pas de sens. En fait, si c'est pareil, d'un point de vue factuel, si t'estimes que tu n'es pas en mesure de lâcher, je sais pas, 80 balles dans une paire de patchs Coupe du Monde 2022, et ben c'est tout simplement que ça n'est pas fait pour toi et que t'es pas la cible visée. Alors c'est malheureux parce que moi j'aimerais bien, et je comprends toujours pas pourquoi c'est pas possible de vendre ça à 15 euros à n'importe qui. Le fait est que le marché est ce qu'il est actuellement, à savoir, on va toujours prendre ce cas-là, les patchs que je vois actuellement, les patchs Coupe du Monde 2022, ils n'ont pas été commercialisés, donc pas mis à la vente publique. Ce qui fait que si tu les veux, c'est soit sur des maillots portés qui coûtent un bras forcément parce qu'ils ont été portés ou préparés, soit t'essaies de trouver quelqu'un qui a réussi à les récupérer directement auprès des mêmes sources que les fédés, ce qui est forcément pas évident. Et pour ma petite histoire et ma modeste expérience, je sais très bien que ces patchs là, quand on te les propose, bien souvent la personne sait que ça a une valeur, sait que ça n'est pas produit en grosse quantité et sait que c'est inaccessible, donc le prix monte directement. Toujours sur cet exemple, les patchs actuellement je crois qu'ils sont à 80 euros sur Foot Press, la paire de patchs Coupe du Monde 2022, et donc c'est totalement indécent, hein, j'en suis le premier conscient. C'est pas parce que c'est mon travail que je vais vous dire que c'est normal qu'on paye le prix là pour deux morceaux de flex sur des manches. Maintenant je demanderai aux gens qui veulent en savoir plus d'essayer de réfléchir au pourquoi du comment, et moi je vais vous partager mon retour par rapport à cette question. Donc pourquoi est-ce qu'on est obligé de les vendre si cher? Bah d'une part l'offre et la demande, ces patchs là ils vont sur énormément de maillots, tout le monde en veut, demande qui est hyper élevé pour une offre qui est quasi inexistante. Bon, maintenant c'est plus le cas, mais il fut un temps c'était introuvable, ou du moins il y avait des sites qui proposaient la paire à 150 euros parce qu'ils étaient les leaders sur le marché, parce qu'ils étaient les seuls à la proposer, et parce que ça marche comme ça dans tous les domaines. Maintenant dans mon cas précis il y a une autre raison à ça, c'est que ces produits là tu les as en quantité très limitée et t'es jamais certain d'en avoir à nouveau. Toujours le même exemple, moi j'ai eu 30 paires de chaque, mais une fois que j'ai vendu les 30 paires j'en ai plus jamais à proposer, et j'aurais ce souvenir d'en avoir proposé fut un temps, mais rien de durable, et moi personnellement ça me frustre énormément, ce qui fait que je préfère les vendre à un tarif assez élevé, à monter le prix avec le temps au fur et à mesure que mon stock descend,
ce qui fait que j'en propose toujours, à un prix qui est certes pas donné, mais qui me permet de les écouler à bon prix et dans le temps, pour entretenir une sorte de vitrine continue sur le site. On peut prendre l'exemple du patch Coupe du Monde 2018 que je vous ai montré juste avant, il est hors de prix sur le site. Je crois qu'il est à 100€ avec l'autre à 50 sur l'autre côté, ça fait 150€ la paire. C'est scandaleux, je le sais, je devrais pas vous dire ça, mais clairement j'ai pas envie de le vendre. En fait, je préfère le garder en vitrine, quitte à ne pas le vendre, ou à ce qu'il parte à un prix vraiment excessivement élevé, pour qu'il soit parti pour une bonne raison. Je l'ai mis à 150€ la paire, mais je pourrais le mettre à 1000€ la paire, parce qu'en fait j'ai juste pas envie de le vendre, j'ai juste envie que les gens puissent le voir, que moi personnellement, bon c'est un kiff qui est vraiment bizarre, mais je préfère le garder aussi et dire, bah voilà j'en ai encore, c'est encore possible actuellement, je l'ai dans le placard. Donc est-ce que c'est normal? Non. Maintenant malheureusement, les fournisseurs et les institutions entretiennent cette rareté, ce qui fait que ça ne changera pas de si tôt. Et je vais vous prendre un dernier exemple aussi, et une autre raison qui viendra conclure ce premier sujet. Exemple avec ce patch, champion de Ligue 1 2022 pour le PSG, donc c'est un patch qui passe sur énormément de maillots, du PSG notamment quand Messi, Neymar et Mbappé étaient là ensemble, avec l'une des équipes qui comptait dans ses rangs, peut-être les joueurs les plus cotés et les plus hype de ces dernières années, qui fait que j'en ai eu une centaine, ils se sont vraiment écoulés hyper rapidement. Donc au début je pense que je les vendais 15€, ce qui était selon moi un tarif assez élevé pour un patch. Je rappelle qu'au moment où je les avais hors boutique du PSG, les vendeurs qui étaient capables de les proposer se comptaient sur les doigts d'une main, et vous pouvez enlever au moins deux doigts. Donc j'en ai écoulé. Au fur et à mesure mon stock baissait, donc j'ai augmenté un peu les prix, et un beau jour un vendeur est venu m'en prendre 20. Le tarot était pas particulièrement énorme quand on connaît la vraie valeur que ce patch pouvait avoir, hein. Parce que certes ça reste un morceau de silicone de velours, de ce que vous voulez, mais une fois que vous le posez sur un certain maillot, le maillot peut valoir 50, 100, 200€ de plus s'il restait plus que ça à y ajouter pour que le maillot soit complet. Et quand le vendeur en question m'a pris une vingtaine de mes derniers patchs pour ensuite faire son bis derrière et se faire une énorme marche sur mon dos, je me suis rendu compte que j'étais obligé de laisser un prix plafond assez élevé pour pallier justement à cet achat-revente derrière et au fait que je sois perdant à la fin. Ce qui fait que maintenant il doit m'en rester une dizaine, bah ils sont à 50€, c'est hors de prix. Mais ça évitera que quelqu'un se serve dans mon stock et vienne faire une plus-value de dingue sur mon dos alors que je suis le seul à avoir ce patch actuellement je pense sur la planète. Donc je vois pas l'intérêt de ne pas en profiter entre guillemets. Tout ça pour dire que si jamais vous avez pas la possibilité d'acheter ce patch parce qu'il est beaucoup trop cher à votre goût, et ben trouvez une alternative. Prenez un autre maillot déjà patché, passez votre chemin. Mais si vous n'avez pas les moyens, ça veut pas dire, comme on dit avec Idriss, que vous êtes pauvre, c'est juste que vous n'avez pas 50€ à mettre dans un patch. Et bah personnellement, je trouve que personne ne devrait avoir à mettre 50€ dans un patch, y'a rien qui justifie ça. Nous on le fait parce qu'on est passionné, on le fait parce que c'est notre kiff au quotidien, on le fait parce que ça nous anime et que la passion prend le dessus, mais en vérité rien ne justifie ça. Donc voilà, j'ai parlé pendant très longtemps, mais c'est des petites frustrations au quotidien en fait. Moi je me retrouve à vendre des produits qui valent pas du tout leur prix à des tarifs exorbitants, mais c'est la conséquence de beaucoup de choix, certainement aussi de pratiques archaïques des fournisseurs, des fédés, des sélections, etc. Mais qu'est-ce que je fais du coup? Je les vends tous à 10€ et en deux semaines on en a plus. Je perds de l'argent dessus alors que je suis les seuls à les avoir. Enfin, franchement, il n'y a pas de bonne solution, donc on fait comme on peut. Et malheureusement, vu les hypes pour tout et pour n'importe quoi dans cette niche du monde du maillot, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Bon, premier sujet, le plus business a été balayé. Maintenant, on va parler d'un sujet du cœur. Vous l'avez entendu au début de la vidéo, je pense qu'on est au final pas mal à partager ce petit sentiment. Sentiment de frustration, de tristesse, peut-être de dégoût. C'est pour ça que je fais cette vidéo, j'ai vraiment hâte de vous lire en commentaire et j'espère que vous prendrez le temps de me partager votre expérience. Mais c'est un sujet que j'ai voulu évoquer à la suite de l'Euro 2024. Je sais pas ce que vous en pensez, personnellement c'est un Euro que j'ai pas particulièrement apprécié, et il y a tout un tas de raisons qui pourraient l'expliquer. Il y en a qui pourraient me dire, bah oui l'équipe de France a été dégueulasse, on n'a jamais marqué de but, on s'est pas amusé. Enfin oui, mais pas vraiment, enfin je pense que c'est pas uniquement ce facteur qui fait ça. Maintenant au début j'avais l'impression d'être le seul qui était pas hypé, et je me suis rendu compte que la hype était à son paroxysme à la première et deuxième journée, et en fait à partir de la deuxième ça commence à retomber comme un soufflet. Alors il y en a qui disent que c'est parce qu'il y a trop d'équipes maintenant, que la nouvelle formule est pas faite pour les émotions. Il y en a qui disent aussi que le jeu était pas joli, que les équipes étaient pas non plus au top de leur niveau. Le fait est que c'est l'Espagne au final l'équipe qui jouait le plus beau football qui remporte, donc il y a peut-être une forme de justice à la fin. Et donc je me rends compte qu'on n'a pas encore montré un seul maillot au cours de la vidéo. Bah donc on va y arriver. Moi je me suis fait ce constat. Alors j'ai 25 ans, j'ai pas vécu énormément de compétitions pleinement, j'en suis conscient. La première vraie compétition que j'ai vécue à 100% avec la possibilité de regarder tous les matchs, c'est la Coupe du Monde 2014. J'ai beaucoup suivi la Coupe du Monde 2010, mais j'estime que j'étais trop jeune pour avoir vraiment un avis averti. Et je crois qu'avec le décalage horaire, ça tombait aussi pendant les cours, c'était pas toujours facile à suivre. Et donc moi personnellement la Coupe du Monde 2014 je la compte parmi les trois meilleures compètes de ma vie, et j'ai pendant longtemps cherché pourquoi en comparaison avec l'Euro 2024, mais c'est valable aussi pour l'Euro 2020, et j'ai trouvé plusieurs raisons, dont la première qui va vous paraître un peu bizarre, mais c'est la fin d'une certaine génération, la fin d'une génération un peu hypante que j'ai surkiffé. Typiquement là je vais vous remontrer un maillot, ce maillot de la Coupe du Monde 2014 de la Colombie. Je vois James Rodriguez, je vois la team Cuadrado, Zuniga, Ospina, Falcao, etc. Falcao qui n'était pas innocent d'ailleurs, et je me dis ouais j'aurais été capable de me lever en pleine nuit pour regarder la Colombie de Cuadrado, la Colombie de James
Rodriguez, et c'est valable pour plein de joueurs. L'Uruguay de Cavani, Suarez, de Muslera, etc. J'étais fou. Le Chili de Vidal, de Medel, de Bravo. Alors je dis pas que c'était tous des top joueurs, mais il y avait un truc qui se dégageait, ces gens-là t'avais envie de les suivre. Enfin, je dis pas que tout le monde avait envie, mais moi personnellement, j'ai acheté ce maillot justement pour matérialiser mes souvenirs à Arturo Vidal. Enfin, c'était une dinguerie, je trouve. Et du coup, je me suis rendu compte que le fait de ne plus avoir ces grosses têtes d'affiches qui étaient beaucoup plus vieilles que moi, parce que si le temps avance, ce qui fait que les idoles entre guillemets, du moins les joueurs clinquants, les joueurs qui te font acheter des maillots sont de plus en plus jeunes et commencent à être plus jeunes que toi, ça fait qu'il y a un petit détachement aussi. Personnellement, l'affect que j'ai pour Ibrahimovic, je pense que je serais incapable de l'avoir pour Erling Haaland. Alors que peut-être que niveau sportif, Haaland aura un palmarès beaucoup plus important que Zlatan, c'est fort probable. Mais je sais pas, ça me stimule un peu moins. En fait, ce que je vous dis là, c'est un peu valable pour plein de joueurs qui étaient middle tier à l'époque où j'étais le plus concerné. En fait, j'ai l'impression qu'à cette époque, j'appréciais le foot de la manière la plus simple possible et que même les joueurs moyens, voire mauvais, me faisaient kiffer. Et c'est une histoire de sentiments, hein. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais je pense que c'est incontrôlable. Donc au final, c'est les souvenirs et les sentiments qui font la différence dans ces cas-là. Et on va faire un parallèle avec les maillots. Comme mes moments préférés de suiveurs de football à la télé ont été lors de ces périodes, moi j'ai envie d'avoir ces maillots. Typiquement, ce maillot des États-Unis, c'est un 2016, avec un template qui est sympa mais qui casse pas trois pattes à un canard. Personnellement, je le surkiffe. Genre, je suis trop content d'avoir ces maillots et je les voudrais tous. Alors qu'un mec qui a pas vécu pleinement ces années-là, je pense qu'il en a rien à foutre de ces maillots. Pour lui, c'est des maillots bas de tableau, voire classiques. Mais moi, de part les années que j'ai kiffé en regardant le football, de part l'attrait que j'avais pour le football à ces moments-là, eh ben j'en suis dingue et c'est mes préférés. Enfin, on pourrait montrer celui-là aussi. Moi, ces maillots de la France, je les veux absolument tous. Les Aeroswift de 2016. C'est mon template préféré, alors que ça peut rester fade pour d'autres. Et il y a autre chose aussi que je pense prédominant dans la balance, du moins pour moi, hein, c'est ce que j'ai identifié en pensant à mon cas, c'est la situation que vous avez au moment où la compétition se déroule. Moi personnellement, 2014, sortie de seconde, en plus c'est l'été où t'es en vacances le plus tôt, et où en fait t'as pas d'examen, t'as rien. J'ai dû être en vacances avant que la compétition commence, alors que ça commençait le 15 juin. Tu peux tout regarder, t'as pas de problème, t'as pas de facture à payer. Tes seuls soucis, c'est de savoir si t'as bien vidé de la vaisselle ou des conneries du genre. Bah, forcément, tes collègues sont bien souvent dans le même cas que toi. Tout le monde parle de foot, tout le monde est content, Coupe du Monde au soleil, c'était au Brésil en 2014. Enfin, tout est réuni. 2016, pareil. Euro en France, émulsion un peu collective, tout le monde est content. La France va loin dans le tournoi. Pour ma part, les joueurs me faisaient kiffer aussi. Bah, moi, le maillot du Portugal 2016, il est classique au possible. J'en fais un de mes goals, que ce soit le domicile ou l'extérieur. Parce que ça a été une compétition qui m'a grandement marqué. Le template, je le kiffe, j'en ai plein d'autres. Hein. Le France est ici, il doit y avoir un Angleterre qui est pas loin. Et je suis désolé, ce maillot de la France, il a rien d'exceptionnel. Il est juste dans un bleu plus clair que d'habitude. Et ben moi, chaque détail me font kiffer. Le fait que le coq soit en gel, que la virgule soit en gel aussi, l'effet comme ça, le petit effet au niveau des bandes sur les côtés. En fait, il n'y a rien de rationnel à ça. C'est juste les émotions, c'est juste le kiff. Et c'est justement ça le problème, c'est que en comparo à 2020 par exemple, période où je me lance à fond dans l'entrepreneuriat et qui dit forcément d'avoir bien moins de garanties, de prendre son indépendance, d'avoir des factures à payer, et ben j'ai inconsciemment relégué le foot au second plan, quelque chose que j'aurais jamais pu entendre 6 mois, 1 an, 2 ans auparavant. Et donc du coup là, avec l'Euro 2024 qui avançait à grands pas, ma situation est plus stable qu'en 2021 certes, donc j'ai eu le temps de les voir venir, j'ai eu le temps aussi de me mettre dedans parce que ben, plein de flocages et de patchs sont partis justement en raison de l'Euro, avec plein de patchs de l'Euro et tout. Le fait d'être indépendant aussi, ça permet aussi d'adapter son temps en fonction des matchs. J'aurais pu regarder les matchs en travaillant, j'aurais pu le soir libérer toutes les soirées pour regarder tous les matchs. En fait, j'en avais pas particulièrement l'envie. Non pas parce que la compétition était nulle, enfin ça j'en sais rien, je vous laisserai me donner votre avis, mais tout simplement parce que ça me donnait pas autant envie qu'en 2014, 2016, 2018. 2018, c'est sorti de BTS pour moi. L'été est assez long, une fois que t'as les résultats de ton diplôme, et ben j'en garde des souvenirs de ouf parce que les collègues, le fait de pouvoir regarder tous ensemble, tout le monde en discute, la France va loin, les joueurs sont hypants, j'en garde des souvenirs de dingue. Alors que je pense pas que fondamentalement le niveau était 10 fois inférieur à ce qui s'est passé en 2022 ou en 2024. Bon là, je compare les Euros et les Coupes du Monde, vous aurez compris, mais c'est plutôt au niveau des sentiments que c'est à comparer. Et pareil, ce maillot de l'équipe de France, c'est un maillot qui est plutôt basique, c'est pas un maillot de l'équipe de France générationnel. Alors peut-être si par la victoire en finale de Coupe du Monde, mais je veux dire, il y a rien de transcendant. Un mec qui connaît rien au maillot, il va pas se ruer dessus parce que c'est pas la dinguerie du siècle. Nous, on sait ce que ça vaut pour nous. Moi, je sais ce que ça vaut pour moi et je le veux absolument dans toutes les configs possibles parce qu'il m'a fait kiffer. Mais c'est justement de par ses sentiments et de par ses souvenirs. On pourrait faire le parallèle aussi avec ces maillots-là. C'est un France 2006, un spécialiste de la mode, il va se rendre compte que c'est vintage, que c'est iconique, que le design est clivant et sympa. Est-ce que c'est un beau maillot? Je sais pas, je pense qu'il est un peu embelli par les souvenirs et par l'inconscient, par Zidane contre le Brésil, par toutes ces choses-là. Et de même pour le domicile, en fait, je trouve que c'est le même cas. Il est sympa, on sait ce que ça vaut. Moi, personnellement, en tant que fan de foot qui a grandi dans les années 2000, je sais ce que ça vaut. Mais je peux comprendre que ceux qui se sont pris pleinement l'équipe de France 2006 le voient comme l'un des maillots ultimes. La conclusion que j'en ai faite, c'est que je pense que je revivrai jamais ce que j'ai vécu en 2014, 2016 ou 2018. Parce que la vie a changé, parce que les priorités ont changé également. Peut-être parce qu'aussi le travail et les activités font que bah, t'as d'autres priorités au quotidien et que l'envie n'y est plus, tout simplement. Je sais qu'en 2018, j'aurais loupé n'importe quel match de la Coupe du Monde pour rien au monde. Pour rien au monde, Coupe du Monde, c'est vrai que c'est pas très
très bien utilisé, c'était pas la meilleure expression. Mais tout simplement parce que les joueurs me faisaient kiffer et j'arrivais à me hyper pour des équipes pour lesquelles je n'avais aucun affect. Personnellement, je suis pas belge, mais j'étais grave hypé par la sélection belge 2014-2016. Bah, j'aurais jamais loupé un match de la Belgique durant ces années-là. Là, cette année, alors j'ai rien contre Jérémy Doku, ni contre Tielemans ou Loïs Openda, hein, bien au contraire, mais j'aurais pas arrêté ma journée pour aller voir un de leurs matchs, quoi. Je pense que tout ça se contrôle pas en vérité. Je le voyais tellement pas venir que je me suis vraiment longuement posé la question. Alors tu vas dire, putain, tu vas vachement en introspection juste pour des matchs de football, j'en suis conscient, mais je voyais tellement pas ça possible que je m'y suis vraiment penché. Et au début de l'Euro, on s'est longuement appelé avec Idriss justement, et je disais, mais moi j'ai du mal à me hyper, quoi. Alors il me dira, ouais, tu verras quand ça va se lancer, quand on va jouer, si l'équipe de France est bonne, ça va monter progressivement et de manière un peu exponentielle. En fait, avec les jours qui passaient, non, c'est jamais décollé. Et je pense pas qu'il y ait uniquement une histoire de but marqué par l'équipe de France ou d'équipe qui dégageait quelque chose de fédérateur. Non, je pense que c'est juste une époque révolue, et donc je voulais savoir si j'étais le seul dans ce cas-là. Je vous ai quasiment pas montré de maillot, je suis vraiment navré. Et donc, ouais, bon, je vous montre toujours les mêmes maillots, c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais j'ai pas trop parlé de la Coupe du Monde 2022 personnellement. Bon, ce maillot-là, il est kiffant. Je suis content de l'avoir et tout par rapport à la config, mais à contrario, la Coupe du Monde 2022, c'est vraiment les scénarios qui font que on en garde des bons souvenirs. C'est l'équipe de France qui roule sur tout le monde et tout. À côté de ça, j'étais hyper déçu que ça se passe en hiver parce que je trouve que c'est un scandale de faire ça en hiver. Hein. Il y en a qui l'ont rendu comme la meilleure Coupe du Monde de tous les temps. Je peux comprendre. Je dis pas qu'elle était mauvaise. Point final. Non, je l'ai pas appréciée. Pour des raisons qui me sont propres, pour une histoire de sentiments qui sont totalement irrationnelles. Je pense que c'est justement cette histoire de sentiments qui a à prendre en compte quand on parle d'une compétition et quand on la compare à une autre, et qui plus est sur les réseaux sociaux, parce que difficile de parler justement de cette partie d'intangible et d'irrationnel en 250 caractères sur Twitter ou en commentaire YouTube. Je suis allé vous chercher 2-3 maillots quand même pour vous en montrer d'autres, mais dans la continuité, le fameux Angleterre 2016 de tout à l'heure, bon, qui est en stock pro et tout avec la technologie Dryfit, bah, ce maillot-là, c'est un de mes gros coups de cœur et je le voulais à tout prix, alors que c'est un maillot basique de l'Angleterre. Et pour pousser le vice encore plus loin, ce maillot du Pays de Galles 2016 également, bah pareil, il dégage rien. Ce même maillot, tu le sors quelques années plus tard, en 2024, là, jamais je l'achète. Mais là, par rapport au parcours du Pays de Galles, à Gareth Bale, etc., j'ai tenu à le récupérer. Bon, certes parce qu'il était pas cher et parce que j'avais pas de maillot du Pays de Galles, mais parce que porté durant une époque que j'ai kiffé tout simplement. Et là où avant, je souhaitais vraiment avoir tous les maillots, en 2022, hors équipe de France, je crois que j'ai aucun maillot. Si j'ai ceux de la Suède que je vous ai ramené de débrief à Outlet, mais je les ai pris justement pour la vidéo, pour aussi pour le plaisir, parce que je les apprécie ces maillots. Mais je veux dire, si je les avais loupés, j'aurais eu aucun regret. Alors que là, je regrette chaque jour de ne pas avoir pris un Portugal Away 2016. Bon, en plus, parce que maintenant la cote elle est démentielle, mais on pouvait pas le savoir à l'époque. Est-ce qu'il y a aussi une part du fait que comme j'étais jeune, j'avais pas l'argent et donc frustré de pas pouvoir tout acheter, et ben j'ai ce sentiment de revanche de vouloir tout acheter. Ça n'est pas impossible, hein. Franchement, je suis pas fermé à de nouvelles explications. Mais tout ça pour dire que voilà, le foot devient un peu blasant dans ma tête. Pareil, hein. On peut lier ça au foot de club. Personnellement, toujours dans ces mêmes années, de 2014 à 2018, le week-end, j'étais capable d'être enchaîné 2, 3, 4 matchs de tous les championnats, aller checker les résultats des petites équipes et tout. Cette année, hors mon club, j'ai dû voir 20-30 matchs sur toute la saison d'autres clubs parce que, en fait, j'ai pas envie de passer du temps, je sais pas, ça m'appelle pas. Là où avant, si tu m'avais mis en 2014 dans ma situation actuelle, je pense que toute la journée, t'aurais du foot qui tournerait de toutes les équipes possibles et imaginables. Les soirs de Ligue des Champions, même pas de Coupe d'Europe, du mardi au jeudi, t'aurais tous les matchs de 18h à 23h minuit qui défileraient. Là, je regarde que le mien parce que je sais pas, ça me branche pas, tout simplement. Donc je pense que c'est la suite un peu logique des choses, hein. Et je vous parlerai pas des joueurs aussi, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais ouais, le temps passe, je pensais pas que ça se ressentirait aussi vite, je penserais que ce serait plutôt linéaire, mais non, il y a eu un beau pic d'un coup, une belle exponentielle, entre le temps et mon désintéressement pour le football. Et ça fait toujours un peu drôle, après bon, c'est remplacé au profit de d'autres occupations, d'autres passions. Mais ouais, je le voyais pas venir, tout simplement. Et donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Pendant, je pense que c'est tout. Je dirais juste aux jeunes qui me regardent, n'hésitez pas à bien profiter des compétitions que vous vivez, là vous avez le moins de problèmes. Moi je pense que c'est ça plutôt dans mon cas qui prime. Et je encore à préciser dans mon cas, c'est pas le cas de tout le monde. Et ouais, je me suis fait le constat que tant que j'aurai pas zéro problème dans ma vie, tant que j'aurai pas toute la journée à dédier au football, je pense que je profiterai jamais comme j'ai pu le faire à une époque. Et c'est signe aussi que la vie passe plus vite que ce que l'on imagine. Bon, on va en arrêter là, c'était un long monologue, 45 minutes que je filme. J'espère que ça n'aura pas été trop barbant. Quoi qu'il en soit, un grand plaisir de pouvoir vous partager ça. Mais il y a une grande partie aussi de ce plaisir qui résultera de vos commentaires. J'ai vraiment hâte de savoir comment vous vivez les choses. Pour ceux qui sont plus vieux que moi, pour ceux qui ont déjà vécu un peu cette petite transition de l'adolescence à la vie adulte, puis au fait d'être vraiment adulte. Et aussi pour ceux qui sont plus jeunes, hein. Parce que du coup je suis curieux de savoir si les jeunes se sont pris l'Euro 2024 comme des oufs, même si j'ai cru comprendre que les modes de consommation étaient différents, qu'il y avait de moins en moins de gens qui se tapaient les matchs en entier avec des troubles de l'attention, etc. Enfin bref, c'est pas le but de détailler tout ça, mais ouais, chaque retour est bon à prendre, les plus jeunes, ceux de mon âge, les plus vieux. Et puis je pense qu'on va en arrêter là parce que sinon je pourrais tourner pendant bien longtemps. C'était donc Quentin, je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner si le concept vous plaît. Il y a plein d'autres vidéos qui parlent de maillots et dans lesquelles je montre plus de maillots aussi. Désolé, la prochaine fois je ferai en sorte de vous en montrer plus parce que là, il y a eu beaucoup de blabla, mais c'est pour ça que j'ai tenu à relancer une nouvelle dynamique sur la chaîne, pouvoir parler un peu de tout et de rien, sans prise de tête, retranscription bête d'idées, de sentiments, et j'en suis pleinement satisfait pour le moment. Je vous souhaite donc de passer une bonne journée, une bonne soirée, et à bientôt!